Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide parce que j'ai reçu mes nouveaux livres. Alors, on déballe ça. Je vous les montre. On verra ce que je vous montre. Alors, le premier sur le bord. Alors, Antise, c'est le livre que j'ai écrit, comme vous le savez, avec Julie Brassard. La série Antise va être en 3 tomes. C'est possible qu'il y en ait un peu plus, mais pour l'instant, c'est 3 tomes. Et dans le fond, l'aventure se tourne autour de Xavier, qui a 13 ans, qui arrive dans un nouveau village et où il découvre un petit peu l'endroit pittoresque avec des maisons hantées. Du moins, c'est ce que la rumeur dit, parce qu'il y a des rumeurs sur chaque bâtiment. Et tranquillement, Xavier va se rendre compte que sa maison ne fait pas exception à la règle. Alors voilà, Antise. Et il y a un deuxième tome que je vais vous montrer. Monsieur Zombie et les Zombinos. Alors, Monsieur Zombie et les Zombinos, c'est l'histoire que j'ai conçue. En fait, l'histoire, je l'ai conçue indépendamment de Amélie. Mais Amélie a conçu Mademoiselle Zombie et les Zombinettes. Alors, vous pouvez voir ici, c'est 2 séries en parallèle. Chacune peut se lire indépendamment l'une de l'autre. Mais si vous voulez avoir plus de secrets sur Zombieville, l'idéal, c'est vraiment d'aller lire les 2 séries parce que vous découvrez toutes sortes de petites choses que Zach ne connaît pas du point de vue de Zoé et vice-versa. Zoé ne connaît pas ce qui se passe du côté de Zach. Et évidemment, Monsieur Zombie ne sait pas que Zoé est Mademoiselle Zombie et vice-versa. Zoé ne sait pas que Zach est Monsieur Zombie. Et le plaisir là-dedans, c'est que dans la journée, Zach et Zoé vont à la même école et oh, ça ne se passe pas toujours bien entre les 2 amis. Tandis que quand ils traversent du côté de Zombieville, eh bien, ils trouvent que Mademoiselle Zombie, elle est pas mal jolie et vice-versa. Mademoiselle Zombie trouve Monsieur Zombie pas mal de son goût. Alors, voilà, c'est un petit peu l'histoire de Monsieur Zombie. Ces 2 livres-là vont sortir en librairie autour du 9 août. Et vous allez pouvoir vous les procurer directement en ligne à partir du 25 juillet. Je vous reviens bientôt pour vous parler un petit peu plus de Camping Transylvanie parce qu'il sort dans les jours qui viennent en librairie. Merci beaucoup!